Fiera de Lille. Fiera de Lille. Oui, c'est la reine mère. Vous êtes où là? Connectez-vous. Votre PDG là. Votre donneuse de work. Je suis là. Vous êtes où? Hein? Vous êtes où les... Vous êtes où? Yeah, le secret, oh! Le secret, oh! Le secret, oh! Le secret! L'ombrakata, le secret. C'est dehors. C'est comment? Bonjour, chérie. Ça va, Fernand? Rano Marino. Tafo. C'est comment, non, Tafo? C'est comment? Je suis en pause. Francesca, parce que tu es en pause, oui. J'ai lavé les mains. C'est bien, tu as fait de laver les mains. Tu as bien lavé, non? Oui, ma star, oui. Oui, je suis là. C'est comment? Mon patron, ta donneuse de work, c'est comment? Il est l'heure de... Vous savez que... Look, you look foot. Votre queen est là, elle chope. Comment vous avez dit que PDG, tu aimes tuer ma... Comment? J'ai fini la réunion. Tu viens travailler maintenant, Joe. Mm-hmm. Merci les fans. C'est comment? Vous êtes là où votre, vous avez commencé le travail. Dora. Ça va, Dora? Je souhaite Angel Kenny Production. Bonjour ma chérie. C'est comment? Bonjour à Marie Larose, la PDG stétoise. La seule et unique. Bonjour à mon général. Big général. Nivakin les jaloux, le général. Bonjour à Mini Minor. Bonjour à tous ceux qui sont avec moi de près ou de loin. Maestro, je t'aime aussi trop. Hein. Okay. Appétit ma puce. Merci mon cœur. On ne travaille plus. Yes, oh, oh yes, oh, oh yes, oh, le secret, oh. Le secret de la PDG. Oui, les nominations, c'est vous qui allez voter, non? Votre reine mère, là. Tu manges quoi? Le bongo queue de... Bongo avec la queue de bœuf. Alors, je vois mon... Après la reine mère va faire le résumé. Hein les gens, elle veut plus résumer non. T'as faux, on salue t'as faux. C'est vrai, on ne mange pas. On ne parle pas en mangeant. Mais on fait comment? Ça va Soso, on ouvre et on avale. Que ouais, le secret de la reine mère. Le secret bracata. Hein? Pardon, mais mes fans, moi-même je meurs avec vous. La reine mère est là pour vous dire qu'elle est la seule et unique, l'indétrônable PDG. Celle qui ne cède pas au chantage bracata. Parce qu'elle sait qu'un. Que sur le bracata, il n'y a rien. Vous avez entendu? Vous avez compris? Vous n'avez pas encore entendu quoi sur moi? Mais comment vous allez, mais vous êtes même comment, vous les... Ouais, ouvrons pour boire. Ouvrons comme ça pour boire à la découverte de ce que... c'est ce qu'on a découvert. Que les gens qui s'asseyent souvent là pour parler des autres là, ils sont quoi? Ils sont pires. Le problème n'est pas que, hein, écoutez bien, le problème n'est pas de savoir... Le problème n'est pas de savoir que la reine mère est quoi. Le problème, c'est de savoir la reine mère a découvert quoi. Hein? Vous avez entendu? Le problème n'est pas... On ne fait pas le procès d'une PDG, d'une reine mère internationale, de la seule unique, la fabriquée et défabriqueuse. Vous avez entendu? Qu'est-ce? Le secret, là, moi-même, j'ai envie de partager ça. Mettez, je partage. Mettez, moi-même, je partage. Je me racata. Vous n'avez pas... Vous connaissez la reine mère, la PDG. Vous aimez faire que vous changez de situation, c'est ça, hein? Tout le monde comprend le jeu. La vérité, c'est qu'on a découvert qui vous êtes.
La vérité, c'est que vous êtes minable. La vérité, c'est que hein, tu ne peux pas t'approcher de ton ennemi. Mais c'est une trahison même pour tes amis. La trahison n'est pas... Mon réseau dérange, arrête. Le problème n'est pas que la reine mère est quoi. Le problème, c'est que qu'est-ce que l'ennemi juré de la PDG cherche près de sa relation ou d'une ancienne relation? De parler quoi? C'est ça le problème. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu peux bien chercher autour? Mais je ne peux pas attendre. Mais excusez-moi un peu, les gens. Tu ne vas pas quand même me dire, vous n'allez pas quand même me dire, par exemple, demain tu es avec ton mari a un ami qui le déteste, et du jour au lendemain, par derrière, tu commences à entretenir les relations avec. C'est minable. Vous ne comprenez pas ça? Le problème n'est pas que la reine, mais est quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore entendu sur la PDG? Ne changeons pas de situation. Le problème, c'est que la découverte est quelque chose de... Ce que la reine m'a découvert, c'est quelque chose quand même de très grave. Ce n'est pas le procès de la reine mère, non! Ne confondez pas, ce n'est pas le problème. Vous n'avez pas encore entendu quoi sur la reine mère? Vous n'avez pas encore entendu, vous avez déjà tout entendu sur la reine mère. Vous avez tout entendu, vous avez déjà eu les... Mais vous ne connaissez pas. Le problème, c'est que qu'est-ce que l'ennemi juré de la PDG? Quelqu'un qui se peut proclamer ennemi de la reine mère peut chercher près d'une relation de la reine mère. C'est ça qui est le problème. Qu'est-ce que tu peux bien chercher près? Qu'est-ce que tu peux t'allier? Qu'est-ce que tu cherches? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème n'est pas que la reine mère, elle est lesbienne, elle est bi. La reine mère, c'est une fille qu'elle vit en Europe. Elle a fait tout genre de binaillement. On ne sait pas les bracata que j'ai toujours dit que si vous avez sur moi, vous mettez les enregistrements de voix. Oh, même deux amis se disputent. Deux amis peuvent se disputer. Si je suis en train de t'enregistrer, on parle d'un sujet, je peux changer de sujet. Je commence à dire, oh voleur, tu es un voleur, j'enregistre ça. Je balance. Vous pensez que quoi? Les gens ne sont pas cons. C'est trop facile. On a compris que la reine mère se disputait. On a compris. On peut se disputer. Je peux bien me disputer. Je ne suis pas là pour me justifier, mais je suis quand même là pour vous expliquer que, qu'est-ce que l'ennemi de la reine mère, que tu montres que tu es l'ennemi d'une personne, qu'est-ce que tu cherches près de son ami, même d'une ancienne amie, même d'une ex-amie? Qu'est-ce que vous pouvez être en train de causer au point de parler de l'argent, des secrets? Ça veut dire que tu n'es pas... Tu es tout simplement minable. Tu n'es pas une bonne personne. Je suis désolée. Tu n'es pas une bonne personne. Même si c'était l'affaire de niassement, mais chacun est libre de niasser avec qui il veut. Vous avez entendu? Il y a les personnes qui sont en couple, ils se marient. Demain, ils divorcent, ils se marient encore. Vous avez entendu, non? Vous avez compris? La reine mère n'est pas là. On n'est pas là pour faire le procès sur la vie privée de la reine mère. On est là pour parler que qu'est-ce que quelqu'un qui s'est autoproclamé ennemi juré de la reine mère, qu'est-ce que cette personne peut bien parler avec une ancienne relation d'une PDG? Parce que quand tu étais avec quelqu'un, tu étais avec la personne. J'ai quand même traîné deux années comme ça avec la personne. Je n'ai pas besoin de prononcer le nom parce que la justice m'a strictement interdit de prononcer le nom et je ne prononcerai pas. Le problème, c'est que la PDG a découvert, c'est un truc que cette personne ne savait pas que la reine mère peut découvrir ce genre de choses. Puisque cette personne savait que la reine mère ne peut jamais, cette personne avait promis que non, je ne vois, on ne peut jamais plus se voir. Mais le monde, la terre est ce qu'elle est, l'être humain est ce qu'elle est. C'est tombé, on s'est vu. Moi-même, j'ai pris le téléphone, j'ai téléchargé tout dans mon portable. Ce n'est pas que la personne m'a envoyé, hein. Vous avez entendu? Ce n'est pas que la personne... J'ai pris le téléphone. J'ai dit, j'entre un peu. J'ai dit que c'est vraiment... C'est misérable. J'ai pris le téléphone, j'ai tout téléchargé. J'ai découvert... Parce que, attendez, messieurs, ou bien les filles, mais vous êtes libre de binda, de nias avec qui vous voulez. Mais tu ne peux pas quand même aller nias avec quelqu'un, même si tu n'es plus en amitié avec la personne, nias avec quelqu'un que tu sais que la personne, c'est l'ennemi. Non, mais ça, c'est choquant. Donc, pardon, attends, mange avant ma nourriture. C'est ça qui est la trahison. Parce que tu ne peux pas montrer que tu détestes une personne, mais tu t'approches de sa relation jusqu'à te confier les secrets. Comme Dieu est ce qu'elle est. J'ai pris le téléphone, j'ai téléchargé. Et j'ai montré mon mécontentement. Mais c'est la sorcellerie. Le mécontentement n'est pas que
Parce que la personne a niaisé avec une autre personne. Le mécontentement que la personne a niaisé avec qui? Et que la personne n'imaginait pas que ces trucs-là pouvaient encore se retrouver dans le portable de l'autre personne. Donc c'est devenu une forme de chantage. Le chantage, c'est quoi? Le chantage, c'est que chacun détient de l'autre. Et personne ne veut être balancé. C'est ça le problème. Hein? On a compris le jeu? Mais c'est pas possible. Mais franchement, quoi, mais il faut quand même arrêter. Quand vous êtes quand même minable, acceptez que vous êtes minable. Ça, c'est vraiment se rabaisser. Pourquoi? C'est pour rabaisser. Pourquoi vous pensez que vous pouvez retourner la situation comme ça? À dire que j'ai ceci de fleur de lys, vous êtes déjà parti sur YouTube. Vous avez connu l'époque où j'étais avec Joël. Vous n'avez pas suivi que j'ai d'enregistrement de filmé. On est habitué à ça. Mais le problème, c'est que je condamne fermement ce genre de comportement. Oui, je condamne ce genre. C'est une honte. Je condamne ce genre de comportement. Tu ne peux pas montrer. Tu as fait la paix avec une personne. Oui, c'est bien. Et alors, pourquoi tu t'approches de ses amis? Même si ses amis t'approchent de toi, surtout les amis aussi proches, parce qu'on dit aussi proches, ça veut dire que c'est ce que vous entendez. Que j'ai tourné avec vente de piment, oh, ceci, oh, tout, 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 tout. J'accepte, j'avoue, je l'assume. Que chaque fois qu'elle dit quelque chose, j'ai assumé. Mais tu n'aurais jamais imaginé que je peux tomber sur ça. C'est un choc pour toi. Et tu dois savoir que des renoms, comment dire, renoms avant, non? Qu'on ne fait pas ça. Oh, ça ne se fait pas, rien ne se cache. Dieu nous vend toujours. Les histoires de montage, qu'ils se sont disputés, ils se sont fait. On ne fait pas le procès sur ma vie privée, sur mon orientation sexuelle, que je sois n'importe quoi. Je vous avais déjà dit que je sois lesbienne, oh, je sois triple lesbienne, oh, je sois lesbienne, oh, je sois même n'importe quoi. C'est mon problème. Le problème, c'est que la honte, c'est toi. Tu t'es approché d'une personne que tu savais que j'étais proche avec la personne et tu as commencé à te confier. C'est honteux. C'est ça que je condamne. Mais chacun est libre de faire sa vie. Si une relation, vous n'êtes plus avec quelqu'un, tu peux marcher, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas quand même t'approcher d'une personne que tu sais que la personne était amie à Flore, qu'ils ont été en justice, ils ont connu beaucoup de choses. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. On n'est pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas cons. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Donc ne faites pas comme si moi je dis si vous avez quelque chose sur moi, vous mettez. Ce n'est pas la grande gueule que je fais. Je sais ce que j'ai détecté. Je sais ce que j'ai viré sur mon portable. Je sais ce que qui détient sur moi. Vous ne détenez rien. Je parle haut et fort. Si vous voulez me fermer ma grande gueule à jamais, que Fleur de Lys, je ferme ta grande gueule à jamais. Publier ce que j'ai. Publier une vidéo de moi où je suis en train de niaiser. Comme ça que tout le monde voit. Je vais. Publiez, vous m'identifiez. Ne partez pas télécharger les faux trucs. Je vais vous dire une chose. Je suis une fille qui a bâti à mon jeune âge. Et je suis sûre que hein, beaucoup de personnes n'ont pas fait ce que j'ai pu faire. Ça veut dire que le sabotage à deux balles, l'argent, j'ai touché l'argent. Si ma vie ne donne pas en bain, je rentre au Cameroun. J'ai un immeuble de 8 appartements. Un immeuble, une résidence de 8 appartements. J'ai deux villas. Même à Douala, si ça ne va pas, je rentre au village. J'ai une villa au village. Je n'ai pas besoin de. Je dis bien que quand je suis même en Beng, je fous même quoi ici, là? Hein? Je fous même quoi en Beng? Si ça ne va pas, le jour que ça ne va pas, je rentre au Cameroun. Je ne suis pas comme vous. Quand je suis au Cameroun, je ne peux pas rester dans la location, bien squatter chez quelqu'un. Non, on ne dit pas que la faute revient de celui que tu dis là. La personne que tu dis là, la faute revient aux deux et surtout à l'autre. Parce que l'autre pouvait penser que, mais attends, tu étais quand même proche de mon ennemi, je ne peux pas quand même m'approcher de toi et fuir. Ce que vous voulez, vous cherchez la stamania pour être au niveau où je suis. Mais j'ai parcouru les obstacles, vous ne serez jamais moi et je ne serai jamais vous. Vous ne pouvez pas fermer ma grande gueule. Oui, vous ne pouvez pas fermer ma grande gueule. Je suis et je demeure. Je suis Fleur de Lys. D'accord? Ok? J'ai dit que hein, ce qu'on est en bain, chacun assume sa vie. Vous qui êtes là, que vous avez demandé les papiers en bain, vous demandez les papiers en tant que vous avez la maladie, vous n'êtes pas forcément malade. Vous demandez les papiers en tant qu'homosexuel, vous n'êtes pas forcément homosexuel. C'est parce que c'est ce qui donne les papiers facilement. D'accord? Je vois les gens qui gesticulent sur Facebook, les gens qui font les choses sur Facebook. C'est pour que le dossier de Kaolo soit bien, bien ferme. Fichez le camp aux gens. Vous voulez apprendre quoi à qui? Vous allez voir quoi?
Vous allez voir quoi sur Flore de Lille aujourd'hui. C'était à mon ennemi d'éviter ce qui s'est passé. Vous êtes bête ou quoi? Vous allez voir quoi? Mais attendez que les voix. Est-ce qu'on a entendu Flore de Lille appeler? C'est la première fois que je crie. Vous n'avez jamais vu une vidéo où la personne m'avait filmé où j'avais pris le balai comme ça pour commencer à chasser, à courir avec le balai qui s'est retrouvé sur la toile. C'est pas la première fois. D'accord? Moi, j'accuse toi qui t'es autoproclamé comme mon ennemi en disant que tu es tombé très bas. C'est toi qui devais éviter. Il y a des personnes qui sont très rusées. Tu n'aurais jamais imaginé qu'il peut avoir ça de toi. C'est ça qui est choquant. Ce n'est pas le problème de dire que non, je ne suis pas ceci. C'est trop facile. Il y a les bandits qu'on tue au Cameroun. C'est pas parce qu'ils sont bandits, hein. Oui. Vous avez vu le jeune là de Belgique où c'est Collins là. Collins là. L'artiste là qu'on l'a pris au Cameroun, l'a mis au carrefour en disant qu'on l'a déshabillé pour dire que oui, il voulait Mbinda avec un petit garçon qui vend les bananes. Non. C'est un coup monté. Il y a les gens qui savent, il y a les gens qui formulent les trucs. Vous avez entendu? Je peux vous dire que là où je suis assise devant vous, je n'ai aucune honte. Et je n'ai même pas de. Ça dit que hein, je n'ai aucune. Je dis bien que j'ai aucune honte parce que je vous ai toujours dit sur Facebook, hein, je vous ai toujours dit hein, que moi, Flore de Lille, quand mes photos se sont retrouvées sur Facebook couché au lit, vous allez me parler quoi? Si c'était une nouvelle personne, j'allais dire que mais. On avait dit que, mais Flore de Lille, tu avais dit que tu n'es pas comme ça. Mais voilà encore une autre fille qui est venue se proclamer que tu étais avec. Non, c'est une personne que tout le monde m'a déjà vue avec. Ok? Je vous dis que hein, c'est une personne que vous m'aviez déjà vue avec. Mes photos se sont mises. Vous avez les photos là sur le lit, non? Hein? Vous avez les photos là et tout, non? Donc vous pensez que je vais me justifier quoi? Dis que la honte, c'est toi. Et je vais dire aussi à toutes ces personnes-là qui sont là dehors, que dans la vie, quand on n'est pas sûr d'une personne, on n'envoie pas sa nudité. On parle ça tous les jours. On envoie, parce que tu envoies ta nudité, quelqu'un te dit, oui, je vais voir et supprimer. Est-ce que tu es sûr que la personne supprime? Tu n'es pas sûr que la personne supprime. La personne ne supprime pas. Tu n'es pas là pour voir si la personne a vu ta nudité. Nous tous, on a d'ailleurs eu un Mbinda Skype. Mbinda Skype. Mbinda Imo. Mbinda les vidéos. Tout le monde fait ça. Mais on fait ça avec des personnes qu'on connaît. Vous avez entendu? On fait ça avec des gens qu'on connaît. On ne se confie pas derrière. On ne se confie pas à une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas sûr. Vous avez entendu? Moi, je vous dis ça. Moi, Flore de Lille, que j'ai dit et je réitère. Et je dis encore que. Il y a quoi qui. On ne se confie pas à quelqu'un. Tu te confies, tu racontes. Si tu racontes ça, tu ne sais pas que demain. Quand tu te confies, la personne te dit que, Jean, je supprime. Tu n'es pas sûr. Maintenant que c'est sorti, toi-même, tu étais surpris parce que j'étais d'abord renvoyé tout ça à toi-même. Quand j'ai vu, j'étais d'abord renvoyé tout à toi-même. Mais attendez, excusez-moi, il y a quand même des choses qui ne se font pas. Mbinda na mbinda, nias na nias. Mais de vous parler même de quoi là? Flore de Lille, c'est quand on a découvert, vous avez découvert quoi? Vous ne voyez pas tout ce qui c'est. C'est que vous êtes nouveau, vous ne comprenez, vous n'avez rien compris. Il n'y a pas un témoignage, un ami autour de moi qui m'a bien dit que, oh, comme tu vois la Flore de Lille, c'est que j'étais là. Écoutez, je vous ai dit que nous sommes en Europe. Je suis en Europe, je vis en France. Je ne suis pas un faux profil. Je dis bien que je suis une fille qui a bâti dans sa vie. Donc, si ça ne, j'ai une résidence de 8 appartements. Donc, si ça ne va pas en Belgique, je rentre au Cameroun. Je rentre à Douala. J'ai deux villas à Douala, c'est-à-dire quand je dis pas les deux villas, pas la maison de ma mère et ma villa moi-même que j'ai même abandonné depuis la construction. Si ça ne va pas à Douala, je rentre au village. Je ne vais pas manquer où dormir, je ne vais pas manquer de quoi manger. Vous avez entendu? Vous avez compris? Bien sûr que bien que vous avez compris que le gouvernement est soudé. C'est un gouvernement sans trahison. Vous avez entendu? J'ai bien dit que hein, les gens qui me connaissent, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont entrés chez moi. Quand tu entres chez moi, d'abord pour t'asseoir, tu regardes d'abord à gauche, à droite. Quand tu entres chez moi, d'abord, tu ne sais pas que c'est le chez moi. D'abord de un. De deux, de tous mes amis, ceux qui ont eu à faire les anniversaires chez moi, ils ont compris. Moi, on n'entre pas chez moi comme ça. Vous avez entendu? Je dis bien que j'ai toujours eu plein d'appartements. Un temps à Lille, j'avais 3 appartements dans une seule ville. 3. Demandez aux gens qui me connaissent.
Quand je dis toi, deux appartements du jonglage et un appartement chez moi privé. Et chez moi privé, les gens connaissent où je vis. Ceux qui sont mes intimes, ils savent où je vis. Vous me parlez de quoi? Le vrac-vrac. Vous me parlez de quoi? Même si j'ai les problèmes d'argent en banque, on m'envoie du Cameroun. J'ai bâti dans ma vie. Vous avez entendu? Donc quand vous allez là, chercher vos vies, chercher à construire le genre que demain, hein, si tu te retrouves dans la rue, tu as de quoi manger. Tu pètes sur Roche-Beaubois. Mais oui, je pète sur Roche-Beaubois 15 000 euros. Le canapé où je m'assois, je pète. Demandez, écoutez, demandez aux gens qui sont déjà entrés chez moi. Que Fleur de Lille. Décorateur d'intérieur. J'aime d'abord la déco. Je ne vis pas dans la bouillabaisse. Quand tu entres chez moi, c'est propre. C'est le blanc partout. Vous avez entendu? C'est le blanc partout. Je n'ouvre pas ma maison à tout le monde. Quand tu as pour entrer chez moi d'abord. Je ne vis pas au centre-ville. Vous avez entendu? Quand tu entres chez moi d'abord, tu regardes. Tu regardes d'abord et puis tu regardes la personne qui est devant toi. Tu te dis, mais est-ce que c'est chez elle? C'est pas le vrac-vrac. Je n'ai pas besoin, mais attendez, vous parlez même de quoi? J'ai une bonne situation au Cameroun. Peut-être en Bengue. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne vis pas des allocations. Je n'ai pas le temps pour aller faire les démarches administratives pour avoir les allocations de 145 euros, 200 euros par mois. Je n'ai pas le temps de ça. Je connais chercher mon argent. Vous avez entendu? Je dis que je suis dehors, je suis une femme digne. Celle qui fait les affaires, mais qui n'est jamais allée en prison. Je suis une femme clean devant la justice. Je dis que propre. La police me connaît, les bagarres, tout le monde fait. Mais attendez, vous croyez que quoi? Vous êtes jaloux de moi? Je dis que vous êtes jaloux de moi. Vous avez entendu? Vous avez compris ce que je dis? Vous êtes tout simplement jaloux de moi. Si mon piment ne passe plus, je rentre au Cameroun, j'aurai trop de quoi manger. Vous avez entendu? Vous avez déjà fait les enquêtes à savoir si ça ne passe pas à Douala, je rentre au village. Vous pensez que quoi? Je ne suis pas comme vous. Que la pauvreté, la misère, vous êtes en Europe, vous êtes là-bas, mais cherchez à bâtir votre vie. Aujourd'hui, tous mes week-ends, mon calendrier book jusqu'en décembre. Mon manager m'a dit, je ne dois plus trop donner mes dates, ce n'est pas l'ombrakata. Et on vous prépare une surprise, une télé-réalité. Je vous dis ça aujourd'hui, que la reine-mère, il y a deux chaînes de télé qui me demandent pour faire la télé-réalité. Et vous allez voir, je vais continuer à faire les vidéos comme ça, mais vous n'avez plus trop me voir en direct. Vous allez voir sur les télévisions africaines. Et le tournage va commencer. Mon tournage commence dès mon arrivée au Cameroun, au Saint John's Plaza. Mon tournage commence. Ce n'est pas le BEP. Ce n'est pas l'ombrakata. Je gère mes contrats. Parce que vous cherchez la visibilité. Vous savez, les chaînes de télé, c'est les audiences qui comptent. Vous êtes plus de 1000 personnes à me regarder. C'est ça qui est important. Ça veut dire que je suis suivie. Ce n'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que ce n'est pas... C'est ce que... C'est l'audience. C'est ça qui est important. C'est l'audience qui m'a fait connaître. L'audience, c'est que quand tu es suivie. C'est ça qu'on appelle l'audience. Vous voulez être comme moi. Vous avez beaucoup de chemin à faire. Je vous ai dit que Dieu crée quelqu'un dans chacun de toi. Dieu a décidé que maintenant, c'est mon moment. Je fais même les caprices de star. C'est-à-dire qu'on m'appelle de partout. On veut te voir, Flo, parce que c'est mon moment. Ok? Je suis la reine-mère à vie, la seule PDG, celle qui a créé le buzz. Et ça a donné. Vous allez chercher à créer le buzz avec les baskets, elle est ceci. C'est nouveau. Il y a plein de stars qui sont bisexuels, qui aiment qu'on les chope, qui aiment le bangala. Je suis désolée s'il y a les enfants là devant. Il y a les stars. Je dis bien que les plus grands, ça peut être même la mode. Chacun gère sa vie. J'ai l'énergie et c'est Dieu qui m'a donné cette énergie. Ok? Vous allez bien prendre le banga. Tout ça pour avoir l'énergie. Vous ne pouvez pas avoir l'énergie. Parce que c'est Dieu qui donne. Ok? Ce n'est pas le marabout. Je vous ai dit que vous allez même partir chercher les marabouts. Hein, ramener les remèdes de l'Afrique pour qu'on détruise la vie de Fleur de Lille. À la réponse, on va vous arrêter. Fleur de Lille reste Fleur de Lille. Il n'y a pas mon deux. Suivi dans le monde entier. Je suis allée aux États-Unis, même les Mexicains, comment on les appelle quand j'étais à Washington, là, les Mexicains. C'est-à-dire qu'il y avait. Je suis sortie avec Marie Larose et tout. On était en train de rentrer. Et j'étais avec la maquilleuse. Et il y a une. Ceux qui font les chambres aux États-Unis, les femmes de chambre aux États-Unis, c'est les. Comment on les appelle? Elle dit, oh, vous êtes une star, j'ai envie de me filmer avec vous. Tout le monde était étonné que mes flots, même les Mexicains, comment on les appelle? C'est les Mexicains.
Comment on les appelle? Mais bon, aux États-Unis, là, non. Ceux qui sont comme les Watts, là. Hein? Comment on les appelle aux États-Unis, là? Hispanique, voilà. Une hispanique dans un hôtel m'a interpellé pour faire les photos avec moi. Demandez à la maquilleuse et Marie Larose. Elle a dit, non, vous êtes une star. Je vous vois souvent. Elle parlait en anglais. Moi, je ne comprenais pas. Et la maquilleuse m'a interpellé. Elle m'a traduit en disant qu'elle a entendu qu'elle veut les photos de vous. Je vous dis, dans un hôtel, l'hôtel où j'étais logé. L'hôtel où j'étais logé à Washington, c'était un hôtel high à niveau. Latino, une latino. Elle a dit, je vais filmer avec toi. Et quand je passe, tout le monde m'interpelle. C'est ça, la Stamania. Oui, il n'y a pas mon deux. J'ai honte. J'ai honte pour certaines choses. J'ai honte pour certaines choses que... Comment est-ce que quelqu'un... Comment on dit le tribalisme dans la vie? Il y a le tribalisme qui existe, oui. Comment quelqu'un peut venir... Ton frère peut venir te soutenir devant tout le monde ouvertement? J'ai cette question à poser. Ton frère du village te soutient ouvertement devant tout le monde. Et tu permets qu'on le descende. Alors que quand il vient te soutenir, c'est parce qu'il ne veut pas que tes cacas soient versés sur Facebook. Tout le monde a compris qu'il t'a soutenu ouvertement devant tout le monde. Mais pourquoi laisses-tu quand on l'insulte ton frère du village? Laissons ça que... Laissons, pourquoi peux-tu faire ça? Pourquoi peux-tu laisser qu'on insulte Jean-Louis Messant à ce point? C'est la pure méchanceté. C'est ton frère du village. Vous êtes de Bicoque ensemble. Comment tu peux laisser qu'on traîne un Bicoque comme toi dans la boue? Puisque c'est toi qui envoies les choses à cette salotologue à deux balles. C'est toi qui lui envoies les choses. Si je donne un coup de poing, personne ne peut repartir à la police hein, pour dire que Flore a retouché sa victime. Il n'y a que la victime pour aller dire que... Elle m'a redonné un coup de poing. Vous avez entendu? Et sachez que la police va demander que tu fais quoi avec ton agresseur, ok? Donc les fautes, c'est vice versa. Parce que vous ne connaissez pas la loi. Vous ne connaissez pas la loi. D'accord? Tu ne peux pas permettre qu'on insulte Jean-Louis Messant à ce point jusqu'à inventer qu'il y a une vidéo porno de lui. Vous pensez que c'est en disant qu'il y a la pornographie de quelqu'un que vous allez avoir les points? Oh non, que ce soit ton frère du village, tu peux dire à cette sale chose des deux à deux balles que tu ne prononces plus Jean-Louis Messant. Au nom de tous les bassards, au nom des bicocs, même si Jean-Louis Messant fait quoi, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Il t'a soutenu devant tout le monde, ouvertement. Il a pris ton parti par rapport à moi. Et si tu te retournes comme ça contre lui, tu te retournes à ce point contre ton frère Bico, comme on dit, la personne qui te tue n'est jamais loin. Contre ton propre frère, l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. C'est pas possible. Non, ne dites pas qu'arrête le tribalisme. Parce que quand tu as suivi l'intervention de mon père, Jean-Louis Messant, quand son intervention, j'attendais qu'il soit ferme en disant « Toi, ne provoque plus Flo, c'est toi qui as commencé. » Mais j'ai vu la politique qu'il y avait dedans. J'ai vu la politique, je ne veux pas revenir dessus. On n'a pas soutenu le boxeur comme ça. Non, on a soutenu Ange Gasnier. Elle est basse, on l'a soutenu. L'autre, Judas, qui racontait les trucs qui ne tiennent même pas à deux balles là, les choses qui n'ont même pas de sens. Les choses qui n'ont même pas de sens là. Est-ce qu'il s'est déjà mis sur Facebook pour dire, toi telle insulte, ne parle plus à ma fille Flore, puisque nous sommes tous ses enfants. Est-ce qu'il y a un enfant qui dépasse l'autre? Hein? Est-ce qu'il y a un enfant qui dépasse? On a les oreilles, on a compris le truc. Et ça ne se fait pas. Ça n'a même pas duré. Tu permets qu'on l'insulte jusqu'à ce que tu envoies, vous inventez les... Partagez-nous, mettez, on partage, vous n'avez rien. Non, je suis en train de parler d'un truc. Je dis bien que il y a eu quelque chose. Son frère est venu soutenir ouvertement. Tout le monde a compris qu'il était en train de la soutenir. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça à son frère? Elle ne tape pas la main sur la table que non, toi, tu dis que tu es mon allié. Toi, la salotologue, tu dis que tu es mon allié. Tu ne peux pas insulter mon frère. Pour rien au monde. Ça ne se fait pas. Dans aucun... Je dis que ça ne se fait pas. C'est méchant. C'est la pure méchanceté et la jalousie. Je n'ai rien contre le couple, mais ce sont les gens que je respecte. Même s'ils ont fait ça, ça m'a fait mal. Qu'ils n'ont pas soutenu le boxeur. Ils n'ont... Quand ta part arrive que c'est là, ils viennent là pour te protéger. Pour protéger ta part. Et le boxeur, est-ce qu'ils ont protégé le boxeur? Ils ne se sont pas levés pour aller à Paris, s'asseoir chez l'autre fille
Ils ont appelé l'autre fille Douala là, ils ont appelé Audrey Bellet, ils ont appelé l'abbé Billet pour dire qu'on soutient. Mais à toi, on t'a soutenu, ils ont soutenu les Bassa, tout le monde a vu. On n'est pas quand même con et ça m'a blessé. Ça m'a blessé. Mais ça ne te donne pas le droit de te retourner contre lui. Ça n'a même pas fait deux jours. Quelqu'un se lève parce qu'il veut la visibilité. Parce que c'est facile d'insulter. On vous a dit que le clash. Je vis dans une ville où les gens me connaissent. Quand vous dites que Flo a fait ceci, quand vous dites Flo a parlé de toi, Flo a fait ceci, les gens là reconnaissent que c'est faux, puisque ce n'est même pas vrai. Et cette Vanessa là même que vous avez parlé, que le Mbrakata, elle est déjà venue chez moi, elle n'est pas montée, elle est restée en bas. Je suis montée, j'ai fait ce qu'il y avait, elle m'a repris avec sa voiture, elle m'a ramené, ouais, elle me ramenait. Vous cognez les têtes des gens avec moi, on ne me cogne pas les têtes avec les gens. Vous racontez que Marie Larose c'est mon amie, c'est ma soeur. Marie Larose et moi on parle du business, on ne parle pas des vies privées. On parle des business, de ce qui nous fait avancer. On n'entre pas dans le bracata que c'est vrai que t'es là, tu es déjà sorti avec elle. C'est vrai, on ne parle pas des choses comme ça. Oui, vous avez entendu. Mais sérieux, il faut arrêter. Tu ne peux pas quand même te le... Moi, ça me fait mal. Ça ne me fait pas mal. Je sais que ce qui parle du couple, mais c'est que la saloto, la chienne, elle parle du couple, mais jusqu'à elle donne les ultimatums. Mais vous êtes normal même. Oh, je veux faire ceci, je veux faire les faux, les trucs à deux balles, alors qu'il n'y a rien. Attendez, vous pensez, on ne déstabilise pas, vous ne pouvez pas. Je parle du business. Marie Larose, c'est une dame. Elle n'est pas dans le vrac-vrac. La gazelle peule. Mais attendez, vous pensez que quoi? Vous pensez que moi, je peux partir derrière, je rencontre quelqu'un, je m'allie aux ennemis parce que on ne fait pas ça. Hein? Que je vais partir comme ça parce que je rencontre quelqu'un derrière quelqu'un, je m'allie à la personne jusqu'à ce que j'embrasse la personne comme ça. Ça se fait dans quel monde? Vous êtes même normal. Hein? Tu ne peux pas permettre ça. Vous parlez de quoi? Chacune sa vie privée. Mon anou, tu sais même. Chacun gère sa vie privée, ses patates et ses oignons. Moi, j'avance. Je suis déjà, vous ne pouvez pas me ralentir en arrière. Mes contrats, mon calendrier. E-book, appelez mon manager jusqu'en décembre. Ça veut dire que j'ai l'aide jusqu'en décembre. Les gens se bousculent pour m'avoir. Pourquoi on ne vous prend pas vous? Pourquoi on ne dit pas que non, comme c'est, on va prendre les autres? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas intéressant. Je fais vendre. Acceptez que je fais vendre. Je suis celle du moment. Mais de vous penser, je vais arrêter de manger et boire ma chose parce que. Par exemple, moi, qui? Les seules filles comme ça, vous êtes dans les matelas, la saleté dans la maison jusqu'à... Chez moi, j'ai une femme de ménage. Et vous voulez que vous dites que c'est ma femme de ménage? Demandez. Allez demander au mari de maman ministre qu'elle... Qui payait la femme de ma femme de ménage, c'est lui. Elle travaillait chez moi. Hein? 4 fois la semaine. Elle travaillait 4 fois la semaine. Elle venait nettoyer chez moi 4 fois la semaine. À 150 euros. 4 fois. Et je payais comme ça à main. Et c'est lui, des fois, c'est lui qui payait. Vous parlez de quoi? Le vrac-vrac comme ça, vous pensez que... Merde, vous êtes normal même. Fier de l'île. Vous voulez être moi? Vous n'allez pas prendre mes contrats parce que c'est déjà signé. Vous ne pouvez pas. Plus vous parlez de moi, je suis celle, vous parlez de moi. Je donne les audiences. Vous êtes... Ça veut dire qu'on ne parle pas de n'importe qui. Hein? On ne lance pas le caillou sur une mangue non mûre. C'est parce que je suis mûre. Oui. Changez de sujet si vous aurez que vous n'aurez personne, dis donc. Foutez le camp. Hein? Vous me parlez là, il faut faire la paix avec toi. J'ai vu, vous êtes plein là que vous êtes trop d'hypocrites. Les gens qui m'appellent. Flo, hein, c'est que ma chère, ouais, ma soeur. Après, ils vont encore par derrière. Je suis au courant, je vous connais déjà. La Stamania, c'est quelque chose de pas facile. C'est pas la Stamania. La Stamania n'est pas facile. Vous avez compris? N'importe quoi. Restez dans vos coins. Ouais. La nourriture, ça fait un peu comme si ça avait viré. Oh. Pourquoi? Le Mbrakata, vous cherchez les vues. Les secrets sur toi, quel secret? Vous avez quel secret sur moi? C'est un secret. Toi, dans le piment, c'est le secret. Je dois répondre mes téléphones devant vous. Et c'est seulement que je niasse devant vous. Mais ça va arriver. Vous me parlez de quoi? Hein?
Quand vous taillez vos gorges profondes là. Ouais, Blonde Alice, on a envoyé Blonde Alice. Ouais, Blonde Alice. Ouais, chérie, assis, hein. Assis, chérie. Vous entrez derrière mes peaux parce que vous voulez me descendre. Même ceux-là qui sont Dieu, tu sais, le bon Dieu est celui qui te montre toujours. Parce que je suis une fille bien que Dieu m'a fait voir. C'est Dieu qui m'a fait découvrir que telle personne est avec quelqu'un qui est proche à toi. Oui. Parce qu'on m'a dit dans la vie, pour t'empoisonner, pour te faire du mal, on passe toujours par quelqu'un qui te connaît, qui te connaît, qui sait un peu à peu près comment tu es. Vous ne pouvez pas traîner 2 ans avec une personne et que la personne ne vous connaît pas. Vous avez entendu? On parle même de quoi? C'est la jalousie. Allez vendre le piment, vous construisez votre part d'immeuble. Allez vendre le piment aussi, vous sortez vos matières dans la misère totale. Vous avez entendu? Je vous ai dit qu'avoir un toit où dormir, c'est important. Je ne vis pas dans les hôtels quand je suis au Cameroun. Je vis chez moi à la maison. Si je n'ai pas envie de vivre à l'hôtel, si je suis à l'hôtel, c'est parce que j'ai un bid d'ailleurs. Normal, chez nous, dans notre culture, tu ne vas pas. On n'amène pas le chaud chez soi. Si je pars à l'hôtel, c'est parce que j'ai un bid d'ailleurs. Vous parlez de quoi? Parce que vous pensez que quoi? Quand je suis en Afrique, je dors chez ma mère et dans la même chambre, dans la chambre avec ma mère. J'aime aller me coucher derrière ma mère comme un bébé. C'est comme ça que je suis. Quand je suis au pays, je me couche dans la. Je ne vais pas me coucher toujours, tout autour de ma mère. C'est-à-dire que quand il y a moins de choses, je suis toujours couché au lit. On se dispute, hein? On se dispute, mais je suis toujours derrière elle, avec ma mère. Si elle commence à me disputer avec ma mère, vous n'allez pas comprendre. Oui. Si elle commence. Tout ce qu'elle me dit, ça va m'énerver. Non, non, je suis toujours contre ce qu'elle dit. Mais je suis toujours derrière elle. Quand je suis avec ma mère, ça dit que. Je dis souvent à ma mère que. Comme ma mère me critique beaucoup, tu vois. Les matins sont comme ça. Elle me dit, tu cherches quoi dehors? Et quand ça commence à m'énerver, elle dit que oui, tu as toujours été contre moi. Tu aimes mes autres frères plus que moi. Moi, tu ne m'aimes pas. Tu aimes que mes frères. Après, ma mère dit que donc on ne peut pas te reprocher que je passais sur impulsif, tu vois, non? Après, quand je tourne un peu, non, je viens m'asseoir. Quand elle voit un peu que ma mère n'est pas contente, je tourne, je cherche un sujet, quoi. Je lui dis que maman, je cherche un truc de depuis. Je lui dis que maman, c'est comment, non? Tu as fait comment avec ta réunion de telle? Parce qu'elle veut déjà la convaincre. Tu connaissais les matières d'Afrique, là, non? Je vais déjà commencer à convaincre. Je dis que maman, ta réunion de tel jour, même, c'est même quand? Et je recommence encore à parler avec elle. Vous pensez que quoi? Vous parlez de quoi? Je suis un bébé. Oh, quand je suis devant ma mère, je suis un bébé. Je dis bien que je suis un bébé plus que même Choupi, qui est mon enfant. Je tourne que autour. Je suis que derrière ma mère. Quand un moindre chose, je suis que derrière. Je me cache même quand je sais que. Quand je suis au pays, si un chaud vient me chercher. Quand il tourne, je mens toujours que non, c'est quelqu'un avec qui on est en même. Je cherche un truc parce que je n'ai pas dit à ma mère que c'est mon show. Vous avez entendu? Vous voyez, vous voyez. Continuez à faire ma promotion, à parler. Tant que vous parlez de moi, les gens chercheront, tu vas savoir que c'est qui Fleur de Lys. C'est pour ça que j'ai donné les surnoms. Tu ne vas pas taper Poids de Carotte, tu trouves. Tu ne vas pas taper Margazon, tu trouves. Tu ne vas pas taper Judas, tu trouves. Vous avez entendu? Tu ne vas pas taper sur Facebook Salokoro que tu trouves. Il y a que les gens qui suivent la télé-réalité qui savent que tel surnom veut dire tel. Mais vous prononcez mon nom, donc vous m'envoyez les audiences. Quand vous parlez trop de moi, tout ça là, les gens vont taper, vont me trouver. Mais attendez, vous parlez de quoi là? Notez que vous êtes les travailleurs sans salaire. Je vous aime bien, je vous ai toujours traité de travailleurs sans salaire. Vous voulez que je commence à vous payer? Je vous paye déjà avec l'humour, non? Vous êtes là scotché en train de regarder. Pardon. Ma faux. Le social. Ma faux. La mère a aussi le social ou l'assurance. Il paraît que c'est ça qui est à la mode. L'assurance vie des noirs là. L'assurance pour Tchégui. Le social, je ne vis pas du social. Je sais que je suis allée demander aussi le social comme on demande là. Et on a envoyé là. Comment on appelle les enquêteurs, non, à la maison. Les enquêteurs sont venus chez moi. Ils ont d'abord vu où je vis.
Ils ont fait le tour. Après, on m'a envoyé le courrier qui rembourse tout ce qu'on m'a déjà donné parce que je n'ai pas le droit d'avoir ça. De ce soir, on ne donne pas à quelqu'un qu'on sait qu'on a chez toi. On voit que les blancs ne sont pas bêtes. Ils te posent des questions. Même si tu vis de n'importe quelle ressource, tu as l'argent qui entre. Tu n'as pas le droit de toucher l'aide. Vous pensez que les personnes, ils ont les grosses voitures, on les voit, ils vont toucher le social. Demain, on te dit qu'on a tout saisi. Pourquoi? Parce qu'ils ne méritent pas. Je vais vous parler de monsieur Marie Larose. Je suis là pour bloquer les détracteurs. Bloque, chérie, bloque. Bloque-les. Ils vont toujours venir. Tu sais que sans nous, on les donne le souffle de vie. Mes détracteurs, c'est moi qui vous donne le sujet du jour. C'est moi qui dis ce de quoi on va parler sur Facebook. Vous avez déjà ramené quel sujet? La semaine dernière, on parlait de quoi? Cette semaine, j'ai ramené quoi? C'est moi, je ramène ce que je veux et on parle que de ce que je veux. Quand je vais changer de sujet, je change de sujet quand je veux. Oui, j'ai dit ça. Moi, Florida, j'ai dit ça. Vous allez faire quoi? Vous menacez qui? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Les gringaleux comme ça. Les pauvres, la pauvreté. Mais attendez. Vous savez pas qu'on vend le piment, on met les économies de côté. Il y a plein de vendeuses de piment qui n'ont rien. Qui ont pour capital que leurs chaussures et les sacs à main. En dehors de ça, ils n'ont rien à côté. Oui. Les gens qui tombent le pépé, parce qu'ils pensent que le marché marche tous les jours. Le marché ne donne pas tous les jours. Vous avez entendu, hein? C'est-à-dire qu'il y a plein de vendeurs, des vendeuses de piment qui, ils ont pour héritage que leur sac à main, leur petite chinoiserie, le reste, ils n'ont rien. Et leur spécialité, c'est le mensonge. Ah, je suis allé au pays, j'ai acheté le terrain. Ah, je sais ceci. Leur spécialité, c'est de saboter les gens. Merde, vous pensez que quoi? J'ai dit que plein de vendeuses de pépé. Et les gens qu'on appelle les hommes d'affaires, les fémans là. Parce que leur féman, c'est un voleur. Il vole autrement, mais c'est un bandit. Il mange les gens, il prend les dos. Il y a plein de fémans qui n'ont rien. Vous avez entendu? Il y a plein de fémans qui ont eu l'argent. Qui n'ont même pas un petit. Qui ont, vous connaissez le genre? Il y a les fémans qui ont l'argent. Qui, ils ont acheté le terrain même. Ils ont conçu jusqu'à la dalle. Ils ont abandonné. Ça fait 10 ans que c'est là. Mais tu les vois tourner dans les soirées pour boire, pour acheter le nom, pour se faire connaître. Moi, je me suis fait connaître sans passer par les... à traîner que, il faut que j'achète à boire aux gens. Vous avez entendu? Chacun a son don. Il y a les gens qui achètent depuis pour être star. Ils n'arrivent pas à avoir le nom dans la diaspora. Vous avez compris? Je dis que, il y a beaucoup qui achètent le nom dans la diaspora depuis. Qui cherchent comment on va les connaître. Quand ils viennent là, ils farotent. Parce qu'ils veulent qu'on les connaisse. Mais personne ne les connaît. Parce que Dieu n'a pas encore dit que c'est votre tour. Vous allez beau acheter les tables, même de 100 000 euros. Hein? Pour chercher le nom, mais vous n'allez pas voir le nom là si Dieu n'a pas voulu. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Hein? Vous n'avez pas encore cherché le nom, vous allez chercher plus que ça. Vous avez compris? Eh, ma soeur Fleur Karine. Ma soeur chérie, excuse-moi si j'étais un peu dit hier que laisse-moi dormir. Hein. C'est de gros bisous. Yégame, l'eau, on y a. Yéname, gars. L'amitié ne s'achète pas. Vous qui me suivez là, je ne vous ai pas acheté. Vous m'aimez parce que vous m'aimez naturellement. Ce n'est pas parce que vous êtes donné à boire. J'ai tant donné à boire, il faut demander. Hein. Quand j'arrivais quelque part, je parle de ma ville à Lille là même. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir à Lille, quelqu'un vous mal parle de moi. Je dis ça, j'en suis sûr. Vous avez compris. Je dis qu'à Lille, quand on parle de Lille, c'est que la ville où tu as toujours vécu. Sur 10 personnes que vous rencontrez, 8 vous parleront en bien de moi et vous diront qu'on ne la voit pas beaucoup. Vous pensez quand vous arrivez à Lille, je suis positionnée à la gare? Non. Il y a beaucoup qui vivent à Lille qui ne m'ont jamais vu. Hein? Qui ne m'ont jamais vu. Je ne pavane pas, je n'ai jamais pavané. Je ne vais pas commencer à pavaner pour faire plaisir. Parce que j'ai toujours été comme ça. Je suis fière de moi. Je suis fière de mon parcours. Je suis fière de ce que je suis. Et mon boxeur est fier de moi. Le boxeur est fier de moi. Il ne passera pas partout. On lui dit que j'aime Binda ta femme. Telle, parce qu'il y a plein de filles là. Je vais parler par exemple à Lille là. Il y a plein là qu'on les Binda en bas des escaliers. Qui sont les vieilles vraies prostituées, les prostituées. Qu'on les Binda partout là. Ils vont s'asseoir et parler de moi. Parler du boxeur, mon nom au boxeur. Perce la tête de quelqu'un.
Nami de talk down one. Personne ne go call my name for boxer. I go perce direct. Quand vous parlez que on dit que ta femme est lesbienne, on dit que ça excite même l'homme, vous ne connaissez pas. Hein? Quand vous parlez à un homme que mais on dirait que c'est les greens, ça l'excite. Ça le chauffe en fait. Vous avez entendu? Il y a Eric, hein, quand tu parles à un homme que mais la fille là, ta femme là, les hommes, c'est des pervers, ça les excite. Vous pensez que quoi? Hein? Vous parlez de quoi? J'ai dit qu'un, je dis et je l'assume. Vous avez compris? Qu'un, Fleur de Lille. Quand si tu vas tatouer, la fille là, ouais, une lesbienne, elle sort même aussi avec tel gars, une bille comme ça là. Un homme, ça va trop l'exciter même. Parce que le premier fantasme des hommes, c'est de voir deux femmes binda. Vous ne connaissez pas. Hein? Vous ne connaissez pas que le fantasme des hommes, c'est d'abord ça. J'ai envie de te voir un binda, ça l'excite. Vous connaissez les clubs échangistes? Hein? Vous êtes villageois? Vous êtes trop villageois. Vous connaissez ce qu'on appelle club échangiste? Tu entres, tu payes ton an. Les hommes, tu payes couple, entrée 75 euros. Tu me bindes à volonté. C'est comme le buffet. Hey, vous connaissez le buffet à volonté sur l'asiatique, non? Il y a les clubs de Mbinda comme Mbinda, il manque à volonté. Tu payes que l'entrée. Tu entres, tu Mbinda jusqu'à tu es rassasié du matin. Les clubs échangés, c'est. Les femmes sont elles viennent seules. Une femme peut venir seule, mais un homme doit être en couple. Vous avez compris. Quand tu entres dedans, c'est quel genre de position que tu n'as pas encore vu? Eh, mes copines, je vous conseille vivement d'avoir l'esprit ouvert, de fréquenter les clubs. Avec même vos hommes. Mais n'amène pas trop ton gars. Il peut commencer à aimer. Il part là-bas en cachet derrière toi. Et je vous dis, les gens qui sont souvent dans les clubs échangés, ils ne te donnent pas son numéro. Mbindayoman là, ça finit là. On dit que jeudi, c'est ceci. Vous partez encore. Tu te laves dans la piscine. Mbindayoman piscine. Mbindayoman couloir. Mbindayoman partout parler de quoi? C'est pas la secte. Pourquoi les Africains sont comme ça, eh? C'est toujours en Afrique qu'on entend les histoires de sorcellerie. Depuis que je suis en Beng, je n'ai jamais vu la population en train de dire qu'une vieille blanche est tombée sur la toiture. Je dis que tu entends toujours que quand tu es vraiment les Africains, vous êtes, excusez-moi, l'Afrique, il faut évoluer. Je dis que depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais vu, on dit que il y a une vieille blanche qui est tombée sur la toiture là-bas parce qu'elle a voyagé la nuit. Et elle est tombée sur la toiture. Vous avez entendu? Pourquoi c'est en Afrique que ça se passe? Hein? Mais vous êtes tellement, vous êtes terrible, hein? Vous êtes trop bête. Je vous ai dit que j'ai encore des fantasmes à réaliser. Mon prochain fantasme, non. J'ai envie de commode, non. La prochaine fois que commode. Ah, au Cameroun, là, je sens que... Il y a les clubs au pays, là. J'ai envie de... C'est-à-dire que le soir, là, que je vais être au Jeman Show, là. Comme il y aura plein de quotas qui seront là, j'ai envie qu'après, on continue dans une de ces positions. Dans une position, dans une de ces positions qui n'a pas de nom. Vous parlez de quoi? Hein? Vous voyez à Paris là-bas au Moulin Rouge, non, là où il y a les trucs Wakala. Normalement, on ne paye pas. Tu entres dedans. Si quelqu'un te plaît, tu m'binda. Mais il y a les Waka qui vont faire le Waka là-bas. Quand t'attrapes, c'est la police parce que c'est le Wakanjo. Quand vous dites que le club échangé, c'est un endroit où tu entres, tu ne dois pas parler d'argent. C'est le piment gratuit. Donc quand tu entres, non. Si tu es en train de guetter, mais attendez, comment je vais vous expliquer ça? C'est des trucs très chic. C'est des trucs luxueux avec piscine, jacuzzi et tout et tout. Quand tu entres dedans, si quelqu'un te touche, ça veut dire que on parle qu'on regarde. Quelqu'un te regarde comme ça, tu fais la tête comme ça. Ça veut dire que tu as accepté. Dans les escaliers, les embrassades que vous voulez voir. Dans les ceci, vous parlez quoi de club échangé? Sortez un peu. Sortez un peu. Vous parlez de quoi? C'est le piment gratuit.
Clope échangiste. Bindayoman à volonté. Fleur de Lille. Attendez, je bloque Amazon ici d'abord. Hein. J'ai bloqué. Il va le créer. Quand je dis que le travail sans salaire, créer les faux profils, c'est un travail. Je ne l'ai jamais fait. Mais quand vous, les gens qui créent le faux profil, c'est ceux qui ont vraiment le temps. Parce que quand tu as déjà bloqué, il faut aller créer encore l'autre. Tu reviens, on te bloque, tu crées l'autre. C'est, tu travailles. Le club échangé, c'est le buffet Shinto. Ça dit que quand tu entres dedans, c'est les vieilles Rémé Watt que tu veux voir. Ne pense pas que tu vas draguer une Rémé Watt dedans. Elle te dit carrément qu'elle est venue binda jusqu'à se rassasier. Non, les maisons closes n'est pas un club échangé. Nelly de Strasbourg. La maison close n'est pas un club échangiste. La maison close, c'est une maison close où il y a la mbinda. Mais on paye. Une maison close, tu viens, tu sonnes, il y a les prix de mbindaïement. Il y a les prix. Et c'est le chic. Ce n'est pas les saletés que les filles font dans les camions là. Non. Là, c'est le, quand tu entres dans, un, dans une maison close, on te dit par exemple qu'une gare, c'est d'abord les filles qui sont top. Non, dans les maisons closes, tu pars là-bas. Et quand tu guettes d'abord, les filles d'abord, elles sont. Mais attends, elles sont refaites jusqu'aux genoux. Hein. Quand tu entres en maison close, elles sont belles. Les maisons closes. Quand une fille est positionnée comme ça, debout, tu regardes comme ça, tu dis que non, trop de concurrence. Je préfère rentrer au quartier. La maison close. La maison close. Vous parlez quoi que maison? La maison close, c'est le chic. Pas les sales choses que maison close, tu entres, te dis que une heure dedans, peut-être 200 euros. Tu te prends, tu te laves, tu entres dans le jacuzzi, tu choisis la chambre que tu veux. Tu mbinda langa, elle se lave, tu rembinda, vous faites une heure chrono. Il y a la montre, une heure. Et si tu parles même avec le costoman, on te chasse. Parce que même c'est changé avec le numéro de téléphone. Parce que les costoman même d'abord, parce que les gens qui travaillent avec les filles dans les maisons, ils doivent avoir confiance aux filles. Parce que les filles sont souvent que quand elles voient peut-être un Saoudien qui vient là, ils dépensent même 10 000 dollars. Elles cherchent le contact avec. Parfois, c'est les patrons même qui envoient leurs amis dépenser pour tester les filles. Quand tu fais déjà que changer le numéro de téléphone, même seulement avec un costoman, on te chasse. Tu ne travailles plus. Vous connaissez les histoires de maison close. Demandez à vos soeurs, elles vont vous montrer. Est-ce que les Africains ne font pas le waka? Ils ne vendent pas le piment. Les blanches et les Mexicains plus les Asiatiques, c'est les vendeurs numéro, piment numéro 1. Vous parlez quoi? Ouais, Nelly, attends, tu peux pas quand même dire qu'il y a trop de vieilles femmes dans. Oui, dans les clubs échangés, c'est les vieilles mamans tendons là. Tu vois. Tu vois une ouate, une vieille ouate, elle est là. Tu le vois, elle est là. Elle a déjà fait le régime. Elle est mince, elle a le maillot. Elle tourne là, c'est fait son plat comme ça. Elle tourne là. Il y a même les handicapés là. Ok. Club échangé, il y a des gens qui viennent là. Handicapé, on te dit qu'il est en fin de vie, il a envie de Binda. Il y a même les prisonniers. Non, dans les maisons closes. Il y a même les prisonniers les condamnés à mort. Qu'il dit que dernière volonté, il veut Binda même Senga. Il y a ceux qui sortent d'Ingata. Il y a certains qui sont en gata, non? Ils disent peut-être au nier, ils demandent la sortie, que non, ils ont envie de binda. Parce qu'ils se sont déjà trop branlés dans le. Ils se sont déjà trop branlés en cellule. Ils demandent à leur juge qu'ils n'ont pas de famille, mais ils veulent comment. Quand on les demande que tu veux comment pour aller où, ils disent qu'ils veulent binda. Tu vois quelqu'un, il vient binda, il n'enlève pas tout son pantalon parce qu'il a le bracelet électronique. Quand tu veux pas. Quand tu veux parler, tu dis que. Il baisse seulement le pantalon. Tu dis que je peux enlever tout. Il dit que non, il a son bracelet électronique. La police l'attend. La police l'attend dehors. Que dès qu'il finit de mine, on l'amène directement encore en prison. Il y a d'autres qui sont à l'hôpital. Ils sont très malades. Ils ont peut-être un cancer.
Leur dernière volonté, ils veulent Mbinda avec une waka. Quand tu viens, on t'amène la voiture de l'ambulance, on te dit que la personne veut Mbinda. Et là, on te l'a dit, la personne dit qu'il veut Mbinda, il est sur une chaise roulante. Il veut Mbinda. On te donne les dos que Mbinda y est, c'est tout. C'est sa dernière volonté, peut-être qu'il va mourir dans 2 jours. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi même? La vente du pépé, on vous a dit que c'est facile. Qui a dit que c'est l'argent facile? Hein? Il y a les gens qui sont à l'hôpital, on te dit que viens dans un hôpital parce que il y a quelqu'un qui veut Mbinda là-bas parce qu'il meurt demain. Vous parlez de quoi? Il faut demander aux escortes, on va vous dire. Hmm? Vous voulez parler à qui? Que la vente du piment, vous voulez parler à qui? Ma faux, tu serais à l'ouverture du restaurant. Oui, c'est le restaurant, oui. Ah, je dis oui, quel restaurant même? Moi, j'avais dit qu'elle avait ouvert la maison close au Cameroun. Maman, vous m'avez découragé. Oh, ça a fait que... Il y a tout dedans. Tout. Vous connaissez ce qu'on appelle... Attendez, il y a les plages, les nudistes. Parce que quand vous voyez la nudité des gens, la nudité sur le blanc, c'est rien. Tu peux marcher nu sur le blanc. C'est vous là que vous devez faire parce que vous parlez, la nudité, vous connaissez là, on appelle comment on appelle les nudistes, une plage dans le sud. Tout le monde est nu. On peut supermarché nu. Vous parlez quoi que la nudité? Si on voit la nudité de quelqu'un, ça fait quoi? Hein? Je demande, je vous dis que ici en France, il y a les plages, il y a les nudistes, qu'ils marchent nu. Il y a les villes où on marche que nu. Tu vois quelqu'un avec ses tendons de sein comme ça là. Quelqu'un est là, il marche nu, niquette. Niquette partout. Quand tu viens là-bas, quand tu viens là-bas, tu dis que tu veux aussi faire les gens. Tu sens que tu as honte parce qu'ils sont habitués à marcher nu. Ils sont à l'aise à être nus. Ils sont dans leur communauté. On les appelle les nudistes. Ils marchent que nus. Vous parlez quoi que vous êtes en Europe. Tapez sur internet les nudistes. Vous allez voir là où on trouve les nudistes. Ils sont nus. Nus. Tout le monde est nu, personne ne s'étonne. Là-bas, ils sont nus. C'est pas que. Quand tu sens quelqu'un qui n'est pas nudiste, quand il voit la nudité de quelqu'un, il commence à bander. Alors que les nudistes sont habitués. Vous parlez de quoi? Hein? Mais attendez, vous connaissez les clubs échangistes? Tu arrives dedans, tu vois un homme qu'on te dit homme, il est en train de tailler le. Il est en train de tailler sur le micro d'un autre homme. Et il avait sa femme. Oui. Les blancs, même les noirs font ça, vous faites ça. Ne vous cachez plus pour dire que vous faites. Et on le sait. N'importe quoi. Vous parlez de quoi? Fier de l'île, eh pardon, foutez-le quand je bois mon runard. Dis donc, vous avez même les qui, non? Il y a des endroits quand même. On te fait tout le film X en direct. Madonna, que vous voyez la star internationale Madonna. Elle fait une grande actrice de film X. Les films porno que vous regardez là gratuit, ce sont les êtres humains qui tournent ça. Vous parlez de quoi? Hein? Tu as fait le X. C'est juste que quand c'est ta personne, ça t'étonne. Acteur de film porno, c'est un travail, une profession. Vous avez entendu? Profession, actrice, acteur. C'est une profession, il n'y a pas honte à ce que... Quand tu vas faire un truc, tu vas avoir honte par rapport à ce que tu fais, que tu gagnes l'argent par rapport à ça. Il y a les stars américains qui font le buzz avec leur nudité. Ils font semblant. Ils font tout pour qu'on les filme nus. Pour qu'on parle d'eux. Ça s'appelle le buzz. Vous avez entendu? Vous parlez de quoi? Hein? Nyon de Lille, on a vu les fesses de tel. Nyon de Lille, les Africains. Hein? Tu as déjà tourné le film X. Non, je n'ai pas encore tourné. Hein? Je n'ai pas encore tourné le film X. Mais si je vois qu'on me propose bien, je ne vais pas tourner. Pourquoi? Si j'ai envie de tourner, si j'ai la force pour qu'on me binda, je tourne. Vous parlez de quoi? Ce n'est pas le travail. Vous pensez que c'est le travail? Tourner un film X, c'est le travail. Acteur. Et on paye beaucoup. Mais il faut avoir le courage. C'est tout. Ouais, il y a Fernand Rano Marino. Il dit qu'il aime sur le micro, chanter sur le micro. On peut parler que les hommes chantent mieux sur le micro que les femmes. Hein?
C'est ce qu'on dit, hein. Moi je ne sais pas. On dit que les hommes connaissent bien, qu'ils absorbent ça, qu'ils connaissent d'où. La même chose qu'on dit que une gars connaît mieux chop une gars. Parce qu'une gars connaît le corps d'une gars. Donc quand elle chop là, elle connaît les points sensibles. Quand un homme taille à un homme, il connaît comment d'où. Parce que lui-même, il est, vous comprenez ce que je veux dire? Vous parlez quoi? Quand je vois le film X là qu'on me propose que Fleur de Lis, que tu gagnes même. C'est par film, tu gagnes même. Par film X, on me propose que par film X, tu gagnes même 15 000, 10 000 euros. Je ne vais pas accepter que je. Que le Njo, que les gars noirs, que le boxeur m'a un bin d'Njo là, si je n'ai pas donné ça, on me paye, ça fait quoi? Vous les noirs là, que quand vous me bindez, d'abord les gens, les blancs, c'est d'abord vite fait. Quand le noir te binda, il te binda toutes les positions, le Njo, il t'épuise Njo. Même l'argent du savon pour que tu achètes le citéal pour laver même. Même le Roger Cavaillé pour laver, il ne te donne pas pour laver. Vous pensez que si demain on me propose, il ne veut pas tourner, pourquoi? Les plus grandes actrices, les plus grandes stars de Hollywood ont fait les films pornographiques. Vous parlez de quoi? Oh, wonderful. Mais le jour des noirs, là, les boxeurs, qu'il va te mbindanjo, il te donne un coup, sinon bang! Non, bang. Et quand il finit de te taper, il dit encore que vous mbindaillez. Vous connaissez le box. Les gens, les noirs, les gars noirs. Quand il te tape, il te demande la mbinda le même soir. Il commence à excuse-moi alors, mbindaillon. Comme tu as peur qu'on te tape encore, tu donnes la mbinda. L'argent n'a pas d'odeur ni de couleur. Qui vous a dit ça? Quand les gens achètent les tables dans les soirées, pourquoi vous connaissez ce qu'ils font? Pourquoi vous ne refusez pas que non? Ça sent l'argent de la pute. Ça sent l'argent de la drogue. Ça sent l'argent de ceci. Ça sent la. Vous prenez, non? Vous mangez, vous êtes content. Vous dites, président, vous chantez le nom. L'Atalakou. Oh, Atalakou. 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 Quand il n'y a pas l'argent, vous commencez à insulter ce. Ah, la personne n'a plus rien. Non, dis donc. Ah, laisse ça. La personne a quoi? Quand il n'y a plus les dos, la personne que vous étiez en train de vénérer hier, quand la personne portait encore le fait, vous commencez à dire que, ah, dis donc. Ah, il n'a rien dit donc. Il a quoi? Ce n'est pas l'époque là qu'il avait. Il y a encore tel qui a même 10 chiffres. Tel a porté 50 millions d'euros, non? Mais l'autre avait quoi? Ce n'était rien. C'est comme ça, vous êtes dans les discussions. Tu parles de quoi? On dit qu'il y a tel qui a carboné 100 000 euros, 100 millions l'autre jour. Parce que les femmes sont les menteurs. Quand il a escroqué 10 000 euros, il dit que c'est 100 000 euros. Il ment. Juste pour se faire voir dans leur milieu là. C'est comme ça que vous êtes. Parfois, c'est l'argent des filles que vous escroquez. Je préfère mon boxeur qui ne sort pas travailler. Hein? Vous allez rester là. Fier de l'île. Fier de l'île. Fier de l'île. Vous êtes comme ça. Quand quelqu'un, l'argent chante son nom. Quand tu n'as plus de nom, chante plus ton nom. Oui. Vous avez compris. Quand tu as, on chante ton nom, parle de toi. Quand tu n'as plus, on ne chante plus ton nom. On chante le nom de la personne qui vient d'avoir, on t'oublie. Même les amis que tu n'as plus. Les Africains sont les personnes qui sont très matérialistes et qui sont avec les gens pour les intérêts. Les Africains sont trop... Hey, ils sont très intéressés, hein? Oh, tu as vu tel nom? Oh, tu sais, l'autre jour, là, il avait que porté 1000 euros. L'autre jour, il a encore quoi? Il a mangé, c'est fini, là, quoi? Hein? N'est-ce pas? Il y a tel président. Dès que tu as le nom, tu n'as même pas dit que j'étais président. On commence à dire que, mais attends, il y a quelqu'un là qui a porté en Asie 100 milliards. Mais vous, les Africains, vous prononcez souvent les noms, vous connaissez. Le blanc ne parle pas d'argent comme le noir. Hein. L'homme blanc ne parle pas trop d'argent. Pourquoi les noirs n'ont rien? Ils parlent trop des dos comme ça. Hein. Mais tu sais que le copain de l'autre a porté, il a même acheté 10 Louboutins. Les boutins, c'est quoi? Il a dit qu'il y a plein de vendeuses de piments que votre capital, c'est vos anciens sacs Lancel de 1900, ouais. Avec vos faux trucs de chinoiserie que vous avez acheté sur Internet. Avec vos fausses chaussures qui vous font mal aux pieds. C'est ça qui est votre capital. Derrière, vous n'avez rien. Même le compte bancaire, vous n'avez pas. Vous avez compris? Il y a un Lille. Moi, au moins, c'est... J'ai dit que si ça ne va pas, je n'ai pas honte. Je rentre rester au Cameroun et je serai toujours reine. Parce que quand tu vois... Acheter un papa, un sac de sable, c'est facile. Pourquoi est-ce que c'est que construire un immeuble pour une jeune fille de mon âge? Beaucoup de gens n'ont pas fait ça, je le dis et je l'assume. Vous avez compris? Vous parlez même de quoi là?
Pierre de Lille, tout chemin mène à Rome. La personne qui veut faire n'importe quoi pour s'en sortir, tant que tu ne commets pas un meurtre, j'encourage, si tu as le cœur, fais ce que tu veux faire pour t'en sortir, si tu as le cœur. Même travailler dans le bureau, ça soit. Chacun, la vie, c'est un choix. Fais, mais ne verse pas le sang. Parce que le problème, c'est que tu verses le sang. Les vendeurs de drogue sont un peu comme les meurtriers. Parce que quand tu vends la drogue, c'est quelque chose qui tue à petit feu, qui détruit. Si tu as choisi d'escroquer, quand tu escroques, là, il y a des gens qui se suicident, tu verses le sang. Pourquoi c'est quand qu'on escroque, il y a les blancs que quand on les escroque, ils se suicident. Quand ils se suicident, ça tombe sur ta conscience, toi, la personne qui l'a escroqué, c'est verser le sang. Verser le sang ne veut pas dire que tu as pris l'arme, tu as fait. Il y a aussi les faits qui tuent les gens, qui tuent, qui versent le sang, qu'ils fusillent. Parce qu'il faut qu'ils s'en sortent. Il y a aussi beaucoup qui meurent. Parce qu'on parle seulement des faits qui ont pris les dos. Mais on ne parle pas des faits qui sont tombés dans le piège, qu'ils sont en prison, ceux qu'on a déjà tapés et tués. Quand tu as la chance qu'on te prend en Europe, tu fais la prison, tu fais peut-être même 6 mois ou 1 an, selon le montant que tu as escroqué. Hein? Et puis on te fait sortir. C'est pour ça que les gens préfèrent même le faire, même souvent. Parce que ceux qui l'escroquent, qui partent en prison, ils sortent. Hein? Il y en a qui sont des tueurs en série, qui empoisonnent le blanc. Il te tue, il arrive, tu as ta mallette. Quand il voit que tu as déjà pris conscience et que l'argent est là, si l'arme, il te tue, il te tape, il te tue. Parce qu'ils ont tous les amis qui sont cachés quelque part. Vous parlez de quoi? Je préfère une fille qui se prostitue que quelqu'un qui verse le sang. Je dis ça, oh, ah. Je préfère une fille qui tourne son film X légalement. Qui tourne ses films X qu'un meurtrier. Je préfère ça. Oui, oui. Je préfère. Ce n'est pas le BEP. Vous avez entendu que je préfère quelqu'un qui tourne ses films porno qu'un escroc, un fémin. Parce que les escrocs, vous ne connaissez pas tout ce qu'il y a derrière. Quand tu escroques un blanc, c'est toute une famille qui est à terre. Si celui-là n'a pas les dos, toutes ses économies. Tu escroques peut-être un artisan, que toutes ses économies, il a même pris l'argent de ses amis, mettre sur ça pour dire que non, il va aller faire un truc qu'il va donner. Ça ne donne pas, il tombe dans les problèmes. Ça, c'est, les gens se suicident. Vous parlez de quoi? C'est le verser le sang. C'est verser le sang, je vous le dis aujourd'hui. Tout ça pour aller dans les soirées parce que t'es là porté. Tu as porté les dos que tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Vous pensez qu'on parle aux blancs comme s'ils sortent l'argent, ils donnent. Les blancs marchent avec l'argent. Est-ce que l'homme blanc marche avec les dos? La majorité qu'on frappe, ce sont les rebeux. Parce que les rebeux ont la mentalité qu'ils aiment garder l'argent à la maison. Vous avez compris? Parce que même le blanc, quand il part à la banque pour retirer les dos, le banquier lui demande ce qu'il fait avec. Pourquoi on ne donne plus? Pourquoi le fait ne marche plus? Les banquiers ne donnent plus beaucoup d'argent. Quand le blanc part à la banque, il dit que j'ai vu une maison, je veux le liquide. On ne lui donne pas. C'est la banque qui vit directement là où il va acheter. Si c'est la maison, on vit directement là où tu achètes. La banque ne te donne pas l'argent espèce que prends les dos. Oui, ça dépend. Ce sont les petites miettes qu'on donne, les 10 000 euros. Tu vas dire qu'il y avait 10 000 euros pour aller à un voyage en Afrique, on te donne. Mais si tu vas à la banque, tu es venu retirer 100 000 euros peut-être pour acheter un truc. Parce que pour retirer l'argent à la banque, même si c'est ton argent, tu dis pourquoi tu veux. Vous ne connaissez pas. Vous parlez l'ombracato aux gens. Vous pensez qu'on ne sait pas que vous agressez les gens. Hein? quelqu'un dit que ton dirait est devenu métique. Donc, vous ne connaissez pas que les gens meurent. Vous parlez même de quoi? Et voilà blonde Alice, non. Secrétaire, c'est comment? Tu vis? Blonde Alice, il change de ses noms. Je dis que quand tu vas à la banque pour retirer les dos, on te demande ce que tu veux faire avec. Il y a les watts qu'il retient un peu. Mais tu te lèves qu'un watt par la banque retient 1 million d'euros. Hein? Un watt, même s'il est milliardaire, il part retirer 1 million d'euros. Même si tu as 10 et que tu viens retirer 1 million, on te demande ce que tu fais avec. Vous avez compris? Hey, yeah, la gazelle peut être là. Que quoi, Magida? C'est comment? Et c'est que tu m'as appelé jusqu'à je dormais. Je dormais. Excuse-moi, Magida. Kawalaï. C'est qui m'a surnommé PDG. Il y a quelqu'un qui dit que un fémin. Attendez,
C'est que vous ne comprenez pas ce que un féman qui escroque les 1000 euros. Un féman aussi, un vrai féman qui a les dos, qui a porté les dos, c'est celui qui a misé aussi beaucoup d'argent. Si tu, ton capital est petit, tu portes petit. Si ton capital c'est 1000 euros, tu crois que tu, si tu as le capital pour aller faire de 2000 euros, tu crois que tu vas porter 100 000 euros? Tu ne peux pas. Tu as compris? Parce que même le commerce pour être féman, il faut avoir le capital. Tu n'as pas le capital, tu ne vas pas porter quelque chose de bon. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Certains sont malhonnêtes, certains féman, donne-moi le capital. Quand tu donnes le capital, ils portent les dos, ils te donnent même plus tes 20%. Flore, il est sage, tu es trop naïf. Ma faut love you, moi aussi je vous love. Ma faut, je te y a moi, je vous y a aussi moi. Les brouteurs, le féman c'est comme un brouteur, les escrocs non. Eux ils prennent le temps. Les mougou sont finis, les mougou ne finiront jamais. Oui, les mougou ne finiront jamais. C'est vrai que les mougou ne finiront jamais. Mais il y a mougou catégorie par catégorie. Il y a les endroits où il y a encore. Mais les mougou de Mbengisi là sont des sages. Il faut laisser. Je suis allé dans un pays qu'on appelle l'Amérique. On dit qu'en Amérique, tu ne peux pas prendre les dos de quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas. Vous avez compris, non? Ma faute, tu es go en Turquie avec le féman, prenez un peu. Il y a le féman en Turquie. Branchez-moi même l'autre. Je ne suis même jamais sorti avec un homme d'affaires. Eh, voilà quelqu'un qui vend son piment en direct, et Fernand. Rano Mariano là. Marino. Il vend lui le pépé. Ne donne pas les prix ici là, c'est inbox. C'est inbox comme les sacs de Marie Larose. C'est inbox. On ne donne pas les prix en direct. Comme le cachet de la PDG. La PDG ne donne pas les prix de son cachet en direct. Comme ça. C'est le manager qui donne. Parce que le prix que tel X paye, l'autre ne peut pas payer la même chose. Vraiment, courage à toutes ces personnes qui travaillent la nuit, à tous les aides-soignantes, à toutes ces filles qui ont le courage d'aller travailler garde des personnes âgées, à toutes ces filles qui ont le courage d'aller faire les chambres d'hôtel. C'est beaucoup de courage à nos sœurs qui se lèvent matin, midi, soir, qui travaillent leur travail qu'ils ont choisi. Vraiment, je vous encourage. Parce que les personnes âgées, là, ce n'est pas facile. Les blancs sont capricieux jusqu'à... Des fois, tu viens même l'autre te dit, j'ai fait ça. Hein. Même travailler dans les hôtels, nettoyer là, j'ai fait ça. Le ménage, j'ai fait ça, j'avais mal au dos. J'ai fait ça quand il n'y avait pas les kaolos. J'ai fait ça avec les kaolos de quelqu'un. J'ai fait ce genre de boulot là. C'est le mal de dos que vous voulez voir. Tu as mal au dos, mais c'est le courage. J'apprécie toutes ces personnes-là. Vous qui travaillez, que vous êtes dans le bureau. Vous qui êtes partout, là, je vous encourage dans ce que vous faites. Tous ceux qui travaillent la nuit, les aides des infirmières et tout. Ceux qui s'occupent de l'être humain, ceux qui voient les gens mourir hein, tous les jours, qui voient que la vie ne tient que sur un petit bout de fil, je vous encourage. Je suis sûr que vous êtes peut-être assis sur une chaise à l'hôpital chez une femme, c'est un homme âgé dans une maison de retraite, que pour vous divertir, parce que votre patiente est en train de dormir, vous regardez Fleur de Lille et vous pouvez me dire merci pour ça. Vous pouvez me dire merci Fleur de Lille parce que grâce à toi, on peut somnoler, on peut rester, on ne dort pas parce qu'on suivait notre patient. Voilà. Donc, vraiment beaucoup de courage à vous qui travaillez la nuit. Beaucoup de travail, de courage à tous ceux qui font leur métier qu'ils ont choisi dans la vie. Faites-le avec beaucoup de dignité. Vraiment beaucoup de courage. Ce n'est pas facile de s'en sortir. Il n'y a pas d'argent facile. Même le féman que j'ai dit qu'il est scoque. Même pour faire une fille, même les gigolos, ce n'est pas facile. Parce que pour gigoler une fille, il faut d'abord que tu sois patient et que tu le mettes en confiance. Que tu lui mettes en confiance pour gigoler une fille. Tu dois lui mettre en confiance. Quelle est confiance en toi? C'est ça en fait. Ce n'est pas facile. Il n'y a aucun métier qui est facile ici dehors. Tout ce qu'on vous demande de faire, que si tu as choisi ton métier, fais-le et fais-le bien. Peu importe ce que tu fais, tout ce que nous on condamne, c'est le meurtre. Ne tue pas, ne verse pas le sang. Mais le reste, fais ce que tu veux. Même aller escroquer, c'est le travail. Ce n'est pas facile.
aller travailler dans les hôpitaux. Ceux qui les commerciaux là qui marchent de maison en maison pour vendre là. Parce que pour vendre, il faut convaincre. Ceux qui travaillent au téléphone, j'ai fait ce genre de travail au téléphone là. Il faut convaincre pour vendre. Oui, parce qu'il y a les assureurs. Il faut vraiment beaucoup de courage à vous. Donc je vais pas être. J'ai trop duré sur ce direct. Donc vraiment, je vous encourage dans ce que vous faites. Oui. Et sachez que chaque personne qui choisit son métier, chaque personne qui fait ce qu'il veut dans la vie, c'est un choix. On ne peut pas juger le métier de qui que ce soit tant que vous ne versez pas le sang. Même l'artiste qui prend le micro pour chanter, c'est le travail. Je ne peux pas vous mentir qu'aujourd'hui, je suis devenue star internationale, c'est le travail. Quand j'arrive quelque part, même si je suis fatiguée, quand on me dit, la reine, mes photos, je vais sourire parce que c'est mon travail. Tu acceptes de faire, tu ne fais pas comment. C'est pas facile, la Starmania, même que vous me voyez parler, c'est facile. Vous connaissez que quand il parle comme ça, il finit, il prend les doliprane. Hein? J'ai mal à la tête souvent. Mais Dieu merci, c'est que j'ai une santé et c'est ça que je vais remercier au Seigneur parce que tu m'as donné une santé. Tu m'as donné une bonne santé. Merci Seigneur parce que mes fans sont en santé. Si vous me regardez là, c'est parce que vous êtes en santé. C'est pour ça que vous me regardez. Je vous donne le sourire, je le sais. Je regarde, je vois dans vos yeux que je suis en train de vous donner un sourire. Vous êtes en train de me regarder et vous êtes en train de rire en disant « Waouh, Fleur de Lys, elle vient de dire quelque chose de bien. Cette fille, elle est vraiment intelligente. Cette fille, c'est quelqu'un de bien et tout et tout. » Je vous remercie. Menteur, tu peux travailler. Attendez, je bloque tous ceux qui viennent là, qui commentent, voilà quoi, négativement. Oui, c'est touchant d'encourager. Voilà, j'ai marqué les points. Oui, et c'est ça qu'on doit regarder, que qu'est-ce qu'on est venu faire en Europe? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Ce que tu as choisi de bon pour toi. Fais ce que tu te sens bien dedans. Oui, fais ton métier que tu te sens bien dedans. Fais ta Starmania Facebook si tu te sens à l'aise. Que personne ne te détourne de ce que tu veux faire. Ne vis pas par rapport aux gens. Vis par rapport à toi. Fais ce que tu te sens à l'aise. Que personne ne te juge. Parce que ta vie t'appartient d'abord à toi. Ta vie n'appartient à personne sauf à toi et au bon Dieu. Ta vie n'appartient pas à un être humain comme toi. C'est toi le maître de ton destin. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire. Ok? D'accord les gens? Ok? Je vous embrasse très fort. Et je suis sûre que vous êtes content de moi. Vous êtes content parce que vous dites, la reine mère, elle dit souvent ce qu'on veut entendre. La reine mère, c'est quelqu'un de posé quand elle veut. Et je vous remercie beaucoup. Continuez à me suivre. Vous me suivez pas par rapport, vous me suivez par rapport à mon cœur, par rapport à comment je réfléchis. Vous me suivez pas par rapport à si je m'binda, par rapport à ce que si je me fais une chop, par rapport à ce que si je m'enfonce le gote. Vous me mettez pas par rapport à ce que si je me fais frotter, si je me fais doigter. Vous m'aimez pas par rapport à ça. Vous m'aimez par rapport à ce que je vous représente, par rapport à l'image que je vous donne. Vous m'aimez pas par rapport à que la fille, elle est m'binda aujourd'hui ou pas? C'est que son gars c'est qui? Elle a mis d'avant-hier. On dit que non. Je suis une femme libre et chaque personne doit être libre. Ok? Tu dois être libre et t'imposer dans ce que tu veux. Montrer ta force et c'est mental. C'est le mental d'abord. Il faut avoir le mental. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vous dites, mais Flore là, elle tient. Hein? Mais tout ce qu'on fait, pourquoi elle est toujours là comme ça? Parce qu'il faut être vrai envers soi, mais il ne faut pas être fausse. Il faut croire en soi. Crois d'abord en toi. Crois en toi. Si tu sais que ton couple est le meilleur, c'est que ton couple est le meilleur. Ne doute pas de ce que tu es. Ne doute pas de ton couple. Pourquoi tu vas laisser ton couple qui est bien, ton mari avec qui tu t'entends, et tu vas voir que le couple du voisin est le meilleur couple qui existe? C'est ton couple qui est le meilleur couple. Tu peux rendre ton couple meilleur si tu veux. Parce que le voisin que tu vois, que tu crois que son couple est meilleur, son couple n'est pas peut-être meilleur. Peut-être son voisin, ton voisin, quand il sort de la maison, quand il est devant les gens, ton voisin n'insulte pas, les couples ne se disputent pas en public, ils sont en train de sourire. Mon chéri, oh, je te sais à manger, mon amour. Mais quand ils arrivent chez eux, c'est le feu. C'est le feu. C'est ça le meilleur couple. On ne doit pas montrer, quand tu es devant les gens, tu dois respecter ton mari. Même si ton mari te fait quoi, tu le respectes. Tu ne dois pas le tchac-tchac. Tchac-tchac ton mari parce que tu as l'argent plus que l'homme.
Parce que la mentalité des femmes aujourd'hui, c'est que quand une femme gagne plus, elle veut mépriser l'homme. Mais un vrai homme, on ne le méprise pas. Non, tu ne peux pas. Tu vas le mépriser. Hein. Il va rester parce qu'il mange ton argent. Le jour qu'il trouve mieux, il part. Il va aller là où on le respecte. Respectez vos maris. Vous avez compris? Et ce n'est pas tout ce que c'est pas dans un couple qu'on raconte. Tu crois que si c'est toi qui nourris ton mari, tu vas dire aux gens que tu nourris ton mari. Moi, des fois, je sortais avec le boxeur. Quand il sait qu'il n'a rien, je lui donne les dos avant. Je donne les dos avant. Oui. Quand on arrive, c'est lui qui paye. Mes amis pensent que c'est lui qui a payé, alors que c'est moi qui ai payé. Ça, c'est respecter un homme. C'est même pas que tu arrives devant les gens. Hein, quand on finissait de manger, tu dis que donne-moi mon sac. Parce que les filles, les prostitutes, là, elles aiment trop ça. Donne-moi mon sac quand même, je vais prendre l'argent. Elle fait comme ça, elle paye devant les gens. Non, pourquoi tu payes? C'est à ton mari. Donne à ton mari dehors. Fais comme ça, tu mets dans les mains de ton mari. Il paye devant les gens. Tu n'as pas besoin de montrer que c'est toi qui payes, même si c'est toi qui payes. Mais oui. Tu crois qu'il va te... Tu crois que quoi? Quand vous faites ça devant les gens, c'est pas bien. Vous ne respectez pas vos hommes. Tu vas venir, tu vas crier devant le gars parce que tu as les miettes. Tu sais qu'on est la venue du gars demain. Quand sa vie va commencer à donner, qu'il va aller chercher une autre fille et rester avec, tu vas dire qu'il est mauvais. C'est parce que hein, tu le méprisais, il supportait. Et quand il commence à supporter, ça veut dire qu'il ne t'aime plus. Il commence à rester pour le matériel. Oui. Le jour qu'il a sa situation, il te laisse, il part. Quand tu commences à dire que oui, mais je l'ai soutenu. Dans son cœur, il sait que tu l'as maltraité. Tu l'as soutenu par rapport à quoi? Hein? Tu ne peux pas être avec un homme parce que tu gagnes plus que lui. Tu veux toujours montrer aux gens que tu le... Oui, c'est toi qui... Non, pourquoi? Un homme, même s'il est... il a un mètre, un homme reste un homme. Oui. Parce que je vois souvent les filles, tu peux au restaurant. Hein? Quand c'est un... Ma chérie, tu n'as pas besoin de payer devant les gens. Quand ton mari est là, tu peux donner à la maison. Quand vous sortez, tu sais que c'est toi qui as les dos, non? Tu peux déjà mettre dans les poches de ton homme. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je suis avec mon homme, quand je suis avec le boxeur. Ok? Quand je suis avec le boxeur, si je sais qu'en partant de la maison, c'est qu'on va dépenser tant, je mets dans ses mains. Quand on arrive, il sort l'argent dans le portefeuille, il paye. Surtout quand tu es avec tes copines. Tu crois que tu vas être avec tes copines et mon... Tu crois qu'ils vont respecter ton mari? Ou bien tout ce que tu fais, tu vas dire à ton mari que c'est toi qui donnes tout. Parce que quoi? Il y a les filles qui donnent et ne parlent pas. Mais c'est elles qui donnent. Elle donne et elle fait croire aux gens que c'est son mari qui lui donne. Ça, c'est un vrai couple. Tu donnes à ton homme et tu fais croire aux gens que c'est ton mari qui te donne. Même si les gens voient que c'est toi qui as plus que lui. Ok? voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime. J'ai même pas envie de vous quitter. Pourquoi je vous aime comme ça? Vous m'avez carrefaillé. Hein? Pourquoi vous me carrefaillez comme ça, vous les gens là? Vous allez pousser vos maris à me suivre. Merci les filles. Parce que je suis sûre que dans les familles, vous vous disputez. Hein? Vous vous disputez, non? Que Fleur de Lis a dit, donc elle m'a énervée aujourd'hui. L'autre dit que c'est quoi, c'est ma reine, mais laisse-la, laisse-la. Je sais que vous m'aimez beaucoup, je suis consciente du nombre de personnes qui m'aiment. Et moi, je vous aime pareil. Ok? Je vous aime aussi. On m'a dit, les gens du Cameroun disent, la reine, mais ne fais plus le direct qui tue trop parce que notre crédit finit. Voilà, que le Seigneur vous accompagne. Oui, c'est Dieu qui m'a donné. Et quand Dieu te donne, aucun être humain ne peut prendre ce que Dieu t'a donné parce que tu n'as pas acheté chez le marabout. Ce que tu as acheté chez le marabout, ça finit. C'est Dieu qui te donne. Quand Dieu qui te donne, prends avec deux mains et dis merci au Seigneur. Aujourd'hui, au niveau où je suis, c'est Dieu, c'est pas... C'est Dieu d'abord. Je remercie d'abord le Seigneur Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, avant de vous dire merci à vous, mes fans, qui me suivez. Vous ne me suivez pas parce que je vous ai faroté. Vous me suivez parce que vous avez vu que, que je vous ai trop carfa. Mon cul me fait mal, pardon. Aïe. Pardon, bisous, non. Je me fais quoi encore hein? Oh. La PDG va faire quoi? Merci beaucoup. Et je resterai naturelle. Je changerai jamais pour plaire à qui que ce soit. Parce que j'ai ma nature. C'est comme ça. Vous me faites des suggestions dans ma vie et je prends ce qui est bon. Je vous écoute. C'est pas que je ne vous écoute pas. Je vous écoute. Gros bisous. Je vous aime. Merci Angèle Kenya Production, qui est au Texas, qui va organiser les 10 ans de Lady Ponce à Houston. Voilà, je t'embrasse très fort. Quand vous êtes déjà très nombreux, je ne vois plus les gens. Hein, donc, il ne faut pas croire la reine mère.
On recrute les qui? C'est toi la DG, non? La gazelle peul, tu es la DG, non? Comment tu dis encore? Tu ne fais même pas bien ton travail. Tu es la DG à vie. Tu m'as donné le nom de PDG, je le prends avec deux mains. Et tu m'as donné un nom qui m'a rendu célèbre, la PDG Reine Mère. Voilà, moi. I love Wana so much. I love Wana. Ok? Good night for everybody. Bisous. On avance, on continue, on ne passe, on ne rentre pas en arrière, on continue. Merci aussi à ton avocat judiciaire. Non, le général, le big général, Fleur Karine. Il s'appelle le général. Voilà, merci à lui. Gros bisous, good night. Bisous. Mouah. Big Belay. Mouah. Bonne nuit aussi. J'espère que vous êtes là comme ça. Vous parlez les choses que vous avez. Vous êtes venu gâter mon mariage, non? Vous êtes venu gâter mon mariage, non? En me sabotant que Fleur de Lille, elle est bi. Fleur de Lille a fait ceci. Fleur de Lille a mis la vinga. Vous allez me trouver un nom maintenant que le boxeur. Quand le boxeur va me laisser. Ok? Bisous. Hein? Bye. Bisous à tous. Bonne nuit. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Que ce soit la nuit ou le jour là-bas. Je vous embrasse très fort. Surtout merci à Marie Larose. Qui me... Mon mu sera dès la semaine prochaine. Hein? Donc, merci au gouvernement pédégiste. Voilà, merci au gouvernement pédégiste. Je peux écraser le pistolet, non. Je peux goder, non. Je peux écarter mes jambes, on me chope, non. Je peux où? Je peux jouer, je peux gnasse. Quand vous êtes là comme ça, que vous travaillez un job pour moi, Facebook, ce n'est pas une secte. Quand vous travaillez pour moi comme ça, est-ce que je... Mes piles même, ouais, mes piles sont même finies dans mon truc, dans mon anaconda, ouah, la pile est même, je n'ai même plus la pile, oh, j'ai oublié hier, j'ai laissé la pile faire zzzz, toute la nuit, le matin, il n'y avait plus la pile, oh, je peux trouver les piles où à l'heure, si, bye.